Bonjour, bienvenue aux nouvelles résidences avec Agora l'émission. Cette semaine, vous l'attendiez tous, le bêtisier 2011. En 2011, le coup de pouce Nord a fêté ses 20 ans. Bonne humeur et fou rire étaient au rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au coup de pouce Nord? Donc déjà, ça c'est dans le bêtisier. Pas dans le coup de pouce Nord, bah, Laetitia a perdu une heure, donc on essaie de lui faire retrouver. Ah, alors, j'ai perdu la parole. C'est, voilà, elle a perdu la parole. Alors Laetitia, est-ce que tu peux me présenter le coup de pouce? T'as qu'est-ce que fait, alors Laetitia. Vas-y. Action, coup de pouce, première. Alors là, tiens, est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que le coup de pouce? Non. Troisième. On n'a pas rigolé. Attends, ils sont pas arrivés là. Laisse tomber. Le coup de pouce, qu'est-ce que c'est? Alors la collaboration avec le coup de pouce. Quand un caméraman se fait filmer par un autre caméraman. Je suis narcissique, hein. Tu veux que je tienne? Non, ça ira, c'est bon là. Bon, voilà. Alors attends, c'est bon. Bonjour, bienvenue aux nouvelles résidences avec Agora l'émission. En flûre. J'étais bien parti en flûre. Non, je t'ai vu. Là, tu filmes. Attends, hop, je vais la remettre là. Vas-y, tu peux me filmer si tu veux. C'était Franck Leclerc de Saint-Nicolas qui enquiquine le monde. Qui en point de suspension le monde. Retour sur l'exposition commune Espace Aquarelle et Photographe de l'AS, où, quand Pierre Yvon, l'intervieweur, se fait interviewer. Attention, il y a quelqu'un qui... Attention. Merci. Il y a quelqu'un qui surveille ce que tu fais. Quoi? Bah, lui, Pierre Yvon, attends, on va l'interviewer. Non, mais Pierre Yvon, bah, il était de Saint-Laurent, maintenant il est de Fampoux. Donc la photo aussi. Vidéo. Ah bon. Donc, quand je venais à, l'association faire de la vidéo, faire de... Bon, c'est rien, et après il va couper. Hein. Jean-Louis hier a dit, je l'ai appris à faire des cocottes. Ils faisaient des cocottes ensemble à la poste. Avec les timbres, avec les timbres. Les 25 centimes, c'est pas gros. Et sans abîmer les dents. Mais il faut des années. Il faut des années de pratique avant de pouvoir exercer. C'est pas si facile que ça. C'est pas trop dur de passer de la photo avec Barman? C'est pas évident. On y arrive quand même. Donc les réglages sont pas les mêmes. Le ciel était bleu, mais il y avait un léger voile nuageux à un ciel bas. Et en fait, le ciel était bleu. Alors que tout était allumé. Qu'est-ce que tu me fais? En août dernier à Arras, la nuit de la chauve-souris a été un de ces moments où on a du mal à se comprendre. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nuit de la chauve-souris? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cette nuit de la chauve-souris? Je te traduis. Vas-y, traduis. À l'EHPAD de soleil d'automne, nous avons eu droit à un petit récital qui s'est terminé sur une note d'humour. C'est faux, ça. Ça, c'est faux. Un grand bravo à Audrey et Amandine qui, durant l'été, ont filmé Chicou Park. Et se sont essayés au difficile exercice de l'interview. Alors, Jet, Audrey, Audrey et Amandine. Quel est votre rôle ici à Chicou Park? Bah, on filme toutes les personnes qui rentrent, les stands et les animations qui se passent le dimanche. D'accord. Je m'appelle Alain. C'est mal parti. Je suis Géry. Bonjour la caméra. Que faites-vous? Normalement, je fais votre boulot. Mais c'est vous qui le faites à ma place et c'est très bien. Et à quoi il consiste ce boulot?
Alors je fais des reportages pour Agora Web TV. Sinon, je suis aussi star de télé. Merci. Non, faut continuer l'interview. On pose des questions, vas-y, lâche-toi. Que faites-vous ? Là, pour l'instant, je prends le soleil, puisque tu fais mon boulot. Vous avez été faire pipi ? C'est bien ? C'est super ! Bah, Mathieu, hein, toujours. Que faites-vous ? Bah, j'attends. J'attends qu'ils finissent. Vous attendez quoi ? Bah, qu'ils finissent le parcours aventure. Ça vous inquiète, vous ? Oh, je veux dire, nous, on est en vue des animateurs. Et que faites-vous ? On anime. Bon, alors. Bah, ouais. Et quel jeu ? Pas tout. Attends, parce que... Hein ? Yo ! Et en quoi ça consiste ? Je sais pas. T'as, c'est philosophique, la question, là. C'est trop dur, tes questions, tu les as trouvées. Vas-y, je vends une Opel Corsa, 700 euros. 700 euros, 200 000 km. Hey, coucou, maman ! Vas-y ! 98. C'est moi, salut. Les répétitions du marché de Saint-Laurent-Blangy le vendredi matin. Bonjour à tous, donc bienvenue ici au marché du vendredi matin à Saint-Laurent-Blangy. Voilà, donc un grand merci à lui donc, d'avoir rejoint le marché du vendredi matin. Alors nous avons Rémi, notre fleuriste du marché du vendredi matin. Qui nous a fait... Alors Géraldine qui nous fait effectivement la première page du bulletin municipal puisque nous avons lancé depuis quelques mois le marché du vendredi. Alors Géraldine, un petit mot sur le marché du vendredi matin. Alors nous arrivons sur les produits locaux avec Paul qui nous accueille aussi effectivement le vendredi matin. Alors un petit mot peut-être Paul sur le marché du vendredi. Mais je pense que la situation du vendredi matin, c'était pour garder donc le vendredi matin. Toute l'équipe d'Agora Web TV vous souhaite une bonne année 2012. Et à Saint-Laurent-Blangy, c'est quand déjà le marché? Vendredi matin.